Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petit test et critique de la version mobile émulateur de League of Legends Wild Rift. Donc on commence tout de suite. J'ai déjà fait une petite partie sur tout simplement sur émulateur et je vous dis la prise en main est un peu difficile malgré que le jeu soit assez correct. N'oubliez pas, c'est juste une bêta ouverte, le jeu n'est pas encore totalement disponible ou ouvert, on va dire, mais pour le moment on est juste en bêta. Donc on va partir en espérant, on va partir en partie normale, en espérant tout simplement pouvoir bien gérer la partie. La prise en main est un peu dure parce qu'il y a énormément de boutons. Là vous les voyez pas, mais j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 boutons au total. Donc après, vous savez, c'est AZER pour les pour tout ce qui est compétences, enfin ouais, c'est compétences pour les objets, les équipements, c'est 1, 2, 3, 4. Pour Flash, c'est pour Flash et la seconde compétence, les summons, c'est F et G. Mais après, voilà. C'est dommage parce que la souris, en fait, pour viser, pour attaquer les mobs. Et les creeps, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué, vraiment. Donc là, on va aller en jungle. Et après, ils ont repris le même système. J'ai l'impression, hein, c'est juste mon avis personnel. Mais j'ai l'impression qu'ils ont repris le même système que Mobile Legends, c'est-à-dire au lieu que ça soit deux au bot, c'est deux au top et le tank qui se retrouve au bot. On va mettre un peu la musique du jeu. Ils ont également changé la musique sur téléphone. Donc voilà, je ne vous promets pas un gameplay très enrichissant. Parce que de base, je ne ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu, que ce soit même sur PC. Donc voilà. Par contre, la transition quand on est juste avant d'aller dans le chargement, elle est largement plus belle que celle qu'on a sur PC, hein. Ils ont un peu changé le chara-design de certains personnages, vu que c'est une adaptation sur les plateformes mobiles, donc iOS et Android. Et je vous avoue que c'est plutôt assez surprenant. J'aurais préféré avoir cette version mobile sur version PC en fait. Donc attendez. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Je sais pas si vous entendez. Je pense. Ouais, il y a bel et bien un petit problème de son. Enfin, d'audio. Bon, on va faire sans. On va faire sans. On va aller. On va faire ça. C'est pas grave, pire, c'est pas grave. Donc on va aller en jungle. Là, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai vraiment du mal sans vous mentir. J'ai même à oublier d'acheter mon item pour vous dire. En fait, ce qui est bien, en fait, ce qu'ils ont fait pour la version mobile, c'est que tout simplement. On va aller back, on va aller back. Ou non, j'ai même pas besoin.
Ce qu'ils ont fait en fait pour ceux qui sont dans la jungle, mais en fait il n'y a pas d'item jungle. C'est quand vous allez évoluer tout simplement, vous allez gagner l'item jungle automatiquement ici que vous allez monter avec le smite qui va évoluer également. Allez, on va aller en bas, en bas. Pour le moment, j'ai fait quasiment zéro défaite. J'ai eu du mal. Hier, sans vous mentir, hier, j'ai rage quit. Hein. Réellement, hier, j'ai rage quit. J'ai rage quit parce que j'avais du mal à jouer sur PC. Et enfin, j'ai même pas rage quit. J'ai quitté la partie sur mon émulateur pour aller jouer sur mon téléphone parce que la prise en main est largement plus simple. Vous voyez là, petite évolution. Donc en vrai, on va prendre ça. Après, on va back pour aller acheter nos items. Là, vu qu'on est dans du bas elo, pour le moment, ils se cassent pas la tête. Ils font deux tops, deux bots. Donc. Je pense que je vais aller l'aider après. Je vais aller l'aider après. Je prends ça. On back, on prend nos items et on va aller l'aider au top. Il y a même certains items qui ont changé, je crois, ici. Je suis pas sûr à 100%. Bah, on va faire ça. Bot. On va faire ça. Ils ont même ajouté une compétence. Oh, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp. Ils ont même ajouté la compétence, comme vous le voyez, au niveau des bots pour marcher plus vite. Comme Ghost. Donc on va aller des. Une fois que j'arriverai là-bas. Ok, nice. Pas tenter le coup. Oh, j'ai fait nimp. Oh ouais, j'ai trop du mal, j'ai trop du mal. Parce que j'ai l'habitude en fait d'attaquer avec le clic droit et là c'est avec espace. Faut que je change ça en fait. Parce qu'en fait pour Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. On va changer les spells. C'est même pas clic droit, c'est clic gauche normalement. Je peux pas changer la touche. C'est dommage. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, on va garder ça. On va garder ça. On va garder comme ça. C'est pour ça que je vous dis que la prise en main est très très difficile sur PC, hein. Par contre, j'ai fait nimp. J'ai vraiment pas l'habitude. J'ai trop du mal. J'ai vraiment trop du mal. Il y a vraiment. Il faut que je change la touche. Attaque mignon. Je crois que c'est ça. Non, ça veut pas. On va faire ça. Voilà, sauvegarder. A priori. Ok, normalement là ça doit être mieux. Ça va être plus simple pour moi. Comme ça. Pas de galère. J'ai utilisé la même touche pour tous les boutons.
Ok, là, ouais, là, c'est plus simple. Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal, je suis en 0-3, je suis éclaté. Je suis éclaté. En vrai, j'aurais pas dû me casser la tête autant. J'aurais dû directement prendre un perso pour aller top. J'aurais pas dû prendre ce perso-là. Faut juste que je m'habitue à la version émulateur et après je vais être un petit peu plus fort, on va dire. Je pense qu'on va back, hein. On va back tranquillement, on va prendre l'item. Là, en vrai, je pense qu'on perd juste par ma faute, hein. Ouais, mais aussi, je suis dégoûté. Faut que je change ma touche sur D. Alors. Ok. Là, ça va être plus simple. En fait, ma touche pour Flash, c'était G. Donc, un peu galère. Ouais. J'ai du mal, j'ai du mal. Faut que je m'habitue, faut que je fasse encore quelques parties et je serai bien. Faut, je pense, 3-4 jours et ça sera correct pour m'habituer à la version émulateur. League of Legends Wild Rift, vraiment. Ce jeu n'est pas fait pour être sur émulateur. De mon point de vue, après, il y en a, ils ont l'habitude. Mais pour ma part, pas du tout. J'ai trop du mal pour le moment. Ouais, j'ai pas stuff, c'est normal. J'ai quasiment pas stuff. J'ai pas fini mes bottes. Je suis en 0.5. En temps normal, on serait sur PC. Sur la réelle version, j'aurais un score comme ça, j'aurais rage quit, hein. Je vais farm, je vais arriver qu'à farm parce que je peux faire que ça pour le moment ou je vais push. Je peux me casser la tête en vrai.
Heureusement qu'ils sont fit dans ma team, hein, parce que vraiment. Oula, j'ai fait n'importe, j'ai fait n'importe. J'ai failli me faire prendre un tour, j'ai failli me prendre un coup de tourelle là. En vrai, je vais faire ça pour push plus rapidement, hein, je vais pas me casser la tête. Wesh! Ah, ils jouent leur vie aussi, hein. Vu que j'ai la ma vu que j'ai le clic droit sur l'auto-attaque en fait. Ce qui fait qu'en fait il focus automatiquement quand j'appuie sur le clic droit un ennemi. Ce qui fait que ça revient directement sur l'adversaire. Enfin sur les mobs. Ouais, j'ai pas pris un seul objectif depuis le début de la partie, hein. Ah, je sais pas pourquoi il a pas voulu l'attaquer. Je crois qu'on va rechanger la touche, hein. On va changer la touche parce que là c'est n'importe quoi. On va faire ça. Là là. Faut que je revoie les touches un peu parce que là c'est galère. 07. Je vais vous montrer mon historique après pourquoi je vous dis à quel point c'est galère. Là c'est à peine on va dire la vraie partie, la première partie complète sur émulateur. Je trouve pas des excuses, hein, mais je vais vous montrer un peu mon historique, vous allez comprendre. Après, c'est des parties normales. Il y en a beaucoup qui débutent, donc forcément. Ouais, j'ai raté le gros mob. Je l'ai raté aussi. Voyez, j'ai du mal. J'ai trop du mal. Là sur téléphone, là j'aurais buté les deux normalement. La prise en main sur émulateur, elle est très 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 dure. Et je pense pas être le seul à l'avoir pensé. Par contre, j'ai remarqué que le cooldown pour revenir à la vie là, il est un peu long. Alors que c'est sur mobile. On est déjà à 16 minutes de jeu normalement, ouais. Un peu long tout ça.
Ouais, mon premier kill, enfin. Ok. Pourquoi mon perso il s'arrête comme ça? Ah ok, ça me fait au moins un kill quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il me faut quelques parties pour bien m'habituer, après ça sera tranquille. Au moins j'ai réussi à récupérer une assist et deux kills, donc tranquille. Même si j'ai 19 morts. Enfin, j'ai 9 morts là. Ah là là, c'est chaud, c'est chaud. Comment je suis éclaté. Je pense que je joue un peu en off, hein, pour m'habituer. Au début, ça sera dur, mais vous inquiétez pas. On va gérer ça. On va gérer ça. N'oublie pas de lâcher un maximum de pouces bleus, la famille, parce que vraiment, ça là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, de toute façon, là, on a gagné. Hein. Bah, c'est pas grâce à moi, mais on a gagné. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Je sais même pas pourquoi il a voulu focus la tourelle. Bah c'est bon, de toute façon on a gagné. Mais tranquille, tranquille. Voilà. C'était la petite vidéo gameplay, critique, assez rapide. Même s'il y a eu quelques blancs, les gars, c'est ma façon de faire, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, lâchez un maximum de pouces bleus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos League of Legends de Wild Rift. En attendant la sortie des prochains jeux, que ce soit Kimetsu no Yaiba ou d'autres jeux, ou d'autres projets de jeux vidéo, d'autres sujets sur les jeux vidéo. Enfin, jeux mobiles a priori. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et sur ce, on se retrouve ce soir pour un petit live, au calme. Mais avant ça, je vous montre un peu mon historique avant de se quitter pour vous dire à quel point c'est complètement différent. Alors c'est où l'historique? Non, c'est pas là. C'est pas là, l'historique c'est où, c'est où, c'est où? Je crois que c'est là. Non, c'est là alors. Où je pourrais trouver l'historique? J'ai du mal un peu avec ça. Skin, emote, non. On va faire tous les trucs, hein. Classement, champion, non. Non plus. Je crois que je l'ai pas encore débloqué. Normal, j'ai ici. Peut-être ici. Ah, voilà. Donc, 7-0-1-1-8-6-3-5. Vous voyez. C'est pas du tout la même que le 3-10 là. Après là, j'étais en tant que support. C'était la partie où j'avais essayé la première fois sur émulateur où j'ai galéré. De base, j'avais commencé sur un 1-5. J'ai dit, vas-y, ça m'a saoulé. Et j'ai permuté direct sur mon téléphone.
Parce que là, c'était plus possible. J'étais en 1.5.2 ou en 1.5.3, un truc comme ça, et je suis remonté à 1.7.15. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez que sur les autres scores, 1.8, 7.05. Après, tranquille, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, on est là pour apprendre. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais me répéter encore, abonnez-vous, lâchez un maximum de pouces bleus, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve à plus tard pour de nouvelles vidéos et un nouveau stream. Qui sait? Allez, ciao ciao!